Scientists and farmers, bakers and local communities. These are the protagonists of a movement that is changing agricultural practices. Farmers from different European countries have made their land available for carrying out field trials on crop varieties best suited to their climate and soil. Innovation intersects with traditional farming practices. Science-based research collaborates with farmer knowledge. A network of agronomists throughout Europe willingly offer their knowledge and know-how in the assessment of varieties tested in the field, sharing data and information. Knowledge of the territory is generating a new culture of food. The sustainability of a new supply chain also foresees alternative practices in the preparation of products derived from cereal. These are the stories of some of the protagonists of an agricultural revolution and of a cultural rebirth that is taking place in the heart of Europe. Qui ormai da più di 10 anni c'è un parcellario con tante monovarietà di grani, sia duri che teneri. Un frassineto può venire bene qui, ma non può venire bene, non lo so, nel Mugello, oppure in riva al mare. Un Verna invece viene bene in una montagna e quindi è bene testare nell'azienda cosa va bene. Qui sotto facciamo tutto il Solivam orzo e qua ci mettiamo una popolazione di monococco di rosano. Ça c'est du blé, c'est comme ça que je commence mes sélections en général, de façon très sauvage. Il y a pas moins de 30 à 40 espèces au pied du blé qui pour moi sont des compagnes et c'est la garantie de la qualité nutritionnelle, aromatique et de la santé de mes blés. Una volta entrata nella rete ho scoperto tutto questo mondo di vecchie varietà, sono varietà tradizionali, varietà locali e da qui diciamo sono entrata anche nel magico mondo delle popolazioni evolutive, che sono dei miscugli di tante varietà di grano diverse, venendo seminate insieme nello stesso campo, si ibridano tra loro e creano un qualcosa di unico sempre in evoluzione. C'è una tale varietà genetica dentro, talmente grande, che ci sarà sempre una parte che sarà felice di quel clima, di quella temperatura, di quel tipo di piovosità oppure di siccità. Il mio raccolto è abbastanza sicuro, almeno per quanto riguarda il clima, perché qualsiasi scherzo mi faccia, c'è sempre la varietà che l'accetta, che è adatta a sopportare quei cambiamenti drastici. Questo è un sobescio, no? Dove ci sono i semi minuti e semi grandi. I semi minuti tipo ginestrino, trifoglio, sulla, facelia. Noi nei nostri campi abbiamo diverse piante, quindi una biodiversità. Tantissime famiglie di insetti vengono in quel campo. E c'è competizione fra loro e non devo pensare che devo preparare l'insetticida, devo preparare la botte. Io non avrò delle punte di produzione come possa avere con una monovarietà. Questo con la popolazione credo che non si ottiene. Però con la popolazione si ottiene sempre un raccolto e questo dà all'agricoltore una sicurezza, ma non solo all'agricoltore, anche a chi poi deve mangiare. Un tipo di agricoltura, come ho spiegato, ha un seguito, è sostenibile. Il cibo riprende valore, non è più un oggetto qualsiasi che l'ho pagato poco e lo posso anche buttare via. Se domani arriviamo a una collaborazione forte tra agricoltori, scienza e trasformatori e le istituzioni, è una passeggiata cambiare il mondo, insomma. Però è un sogno per ora, eh?
La storia ci dice che per circa 9.000 anni l'uomo ha lavorato molto in armonia con la natura. Gli agricoltori coltivavano, si rifacevano il seme. Quando il loro seme non funzionava più bene oppure non era sufficiente, se lo scambiavano con altri agricoltori, e nel fare questo lavoro insieme si manteneva molta diversità. Ovviamente dovevano andare in campo, scegliere un certo numero di piante per avere abbastanza seme da seminare l'anno successivo. Queste piante non erano tutte geneticamente uguali, per cui questa idea del mescolare c'è stata sempre nella tradizione dei contadini per un motivo pratico, perché avevano bisogno di avere abbastanza seme per seminare l'anno successivo. Peut-être que je suis chercheur officiellement, mais je suis aussi toujours très lié au monde agricole. Je suis d'un monde paysan, issu d'un monde paysan qui a construit l'agriculture conventionnelle. Et donc je l'ai vu se mettre en place par rapport à l'agriculture paysanne de mes grands-parents. Et pas du tout convaincante. À 20 ans, j'étais déjà convaincue d'agriculture biologique. Et après, j'ai travaillé dans une station d'amélioration des plantes. Au départ, quand je suis arrivée, ils étaient encore avec leur population locale. C'était les dernières espèces qui résistaient. Et je les ai vus passer en variété hybride. Dans les années 2000, quand on s'est posé la question quelle semence pour l'agriculture biologique, c'est là que on ne pouvait pas continuer dans ce chemin d'une perte de diversité. Il fallait retrouver le chemin des populations et des variétés diversifiées. Quest'anno questa pianta appare così bella, ma nulla vieta che i pochi semi che vengono da questa spiga l'anno prossimo produrranno spighe di questo tipo. Ecco, tutto questo è stato praticamente azzerato dal modo di fare miglioramento genetico moderno, perché tutto questo lavoro con questa modalità circolare per cui i semi si riseminavano, si scambiavano, eccetera, è stato sostituito da un processo lineare che ha ereditato quel materiale genetico, perché è da lì che poi i primi ricercatori hanno cominciato a lavorare. Tutta quella diversità è stata ridotta a varietà uniformi, perché queste varietà uniformi potevano essere brevettate, e quegli agricoltori che erano protagonisti di questo flusso circolare di diversità sono diventato l'ultimo anello della catena, quelli che compravano i semi dalle ditte sementiere. Tutto questo ha portato ad un sistema consolidato di potere, autorità e controllo dei semi, dei pesticidi, cui sono legati interessi finanziari poderosi. Mi è sembrato quasi inevitabile arrivare ad un punto in cui le mie conoscenze, quelle dei miei colleghi, che sono soprattutto di natura tecnica, legate a quelle degli agricoltori, combinate insieme, potessero essere il metodo più efficace per risolvere i problemi, che poi sono problemi diversi a seconda di dove lavori. En fait, on n'a pas réalisé tous les dégâts de l'agriculture conventionnelle. Pourtant, là, ça tombe tous les jours. Il y a des nouvelles, 6e extinction des espèces, toutes les eaux sont polluées. On est dans un état catastrophique de la planète, avec des gens qui sont mal nourris, obèses, avec des zones qui sont désertifiées. Et cette agriculture biologique, elle est juste un petit peu moins productive en quantité, mais tellement plus en qualité, en environnement, et on est capable par des moyens d'agriculture biologique d'aller cultiver là où l'agriculture industrielle ne peut plus cultiver. C'est un problème d'organisation, c'est un problème de société, c'est où sont nos valeurs, et c'est pas du tout un problème de quantité. Il mercato dei semi vale miliardi di dollari, quello dei pesticidi vale anche miliardi di dollari, spesso i due sono nelle stesse mani. Per cui riportare il potere decisionale agli agricoltori significava minare un po' questo sistema, ma ha anche un significato politico. Ed è qui che intorno al 2008 ci è venuta l'idea di rispolverare questa idea del miglioramento genetico evolutivo. A questo punto la popolazione evolutiva diventava semplicemente uno strumento per ritornare a dare molto più potere agli agricoltori. In realtà sulle popolazioni evolutive ci sono ricerche che addirittura sono cominciate nel 1929 negli Stati Uniti.
Il primo miscuglio che abbiamo fatto era un miscuglio di circa 1600 tipi di orzo e lì abbiamo cominciato in realtà a vedere che questo offriva tantissime possibilità. Seuls les agriculteurs, les boulangers ou les meuniers connaissent le produit et sont capables d'en mesurer la qualité, sont capables aussi de voir l'adéquation de telle ou telle variété à leur environnement et à leur pratique. Et le chercheur est à leur côté pour apporter un éclairage sur les processus qui se passent du sol au pain. Par exemple, ce n'est pas l'agriculteur qui va faire le comptage des bactéries, des levures dans son levain. D'ailleurs, il y a besoin d'avoir une observation dite rationnelle des différents processus pour pouvoir communiquer dessus. Mais la clé et la compétence, l'expertise du processus agricole et de boulange, c'est le praticien. Lo scienziato, quello serio, ha bisogno di noi. Ma non lo dico io, me lo dice lui. E deve capire che sta succedendo dall'A alla Z. E lo fa sul campo, non lo fa nello studio. Et donc se poser la question de la recherche est très importante. Quelle recherche pour quelle agriculture? Les concepts de l'une sont liés à l'autre. Le chercheur apporte des outils d'observation qu'il met en relation et qu'il met aussi en relation avec ce qui se passe dans le réseau d'agriculteurs. C'est ça qui enrichit la connaissance globale. C'est cette mise en relation et c'est de faire du lien et apporter quelques outils d'investigation. Mais l'un sans l'autre, ça ne peut pas marcher. J'essayais d'ouvrir les bras et d'offrir, j'essayais comme tout jeune de changer le monde. Et j'étais boulanger. Et j'ai fait du pain bio dans les premiers temps. Hein? J'étais un pionnier du pain bio dans Belgique, disons. J'ai été boulanger depuis mes 14 ans, mais je suis à la retraite, comme on dit, donc depuis 2013, et je profite de la retraite pour essayer de faire des formations et d'écrire un livre pour le pain. L'industrialisation, c'est quelque chose que peut-être on est en train de revoir. Je crois que la boulangerie est à revoir. La formation en boulangerie est à revoir. On ne peut pas quelqu'un qui est en quête de sens, il y en a beaucoup qui reviennent vers la boulangerie en quête de sens, et qui n'a pas envie d'être un industriel, il doit se différencier vraiment très fort. Et se différencier, c'est faire du haut levain, c'est faire avec des blés anciens, mais c'est beaucoup, beaucoup de savoir-faire. Mais il y a aussi des boulangers qui se disent, ben voilà, moi, je me sens limité dans ce que je fais, j'ai envie de faire autre chose, je recherche une qualité que je ne peux pas trouver avec des farines conventionnelles, avec une façon de travailler standardisée. Quoi. C'est pour ça qu'on fait ces formations, c'est pour permettre aux gens justement d'apprendre ce qui ne s'apprend pas à l'école. Le scientifique qui est dans sa tour d'ivoire, il aura plus tendance à ne pas relier les choses et tout ça. Et c'est en fonctionnant en réseau, et donc tout ce qui est recherche participative qu'on appelle ça, ici on peut le faire aussi. Le boulanger apporte des choses au meunier et à l'agriculteur dans le choix des choses qui vont se semer. Comme on a par exemple de plus en plus tendance à faire des mélanges sur le champ. Ça, c'était la panivranca, mais dans un moule. Tous les critères de production aujourd'hui sont basés sur le rendement et pas sur la qualité, en fait. Sans sel. Marc avait déjà beaucoup de contacts avec les boulangers du réseau Semences Paysannes. L'objectif, c'est de mélanger les agriculteurs, les boulangers, parce que c'est plus riche d'avoir plusieurs points de vue sur la céréale, sur la sélection, sur le pain, que juste le point de vue des boulangers ou le point de vue de l'agriculteur. On serait très bien. On n'a plus envie de ces clones
qui se ressentent tous sur le même champ. Ça se peut bien que ce soit le boulanger qui le dicte au bout d'un temps, quoi. Tu devrais mélanger celui-là avec celui-là. Ça allait mieux, celui-là. On ligne tout et on repense tout en termes de nutrition, de goût. C'est formidable, cette aventure-là, elle est à écrire encore, elle n'est pas encore écrite. Mais l'idée, c'est ça, c'est de trouver les blés qui s'adaptent bien à notre pratique et à notre terroir et notre climat. Il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées, des agriculteurs qui commencent de plus en plus aussi à nous contacter. Et on a essayé de mettre en place des protocoles pour pouvoir justement de mettre en place des filières. Mais des filières qui ne sont pas uniquement de l'agriculteur au consommateur, mais l'agriculteur en passant par le meunier, le boulanger, puis le consommateur. C'est vraiment tout récent que des filières comme ça se mettent en place. On a fait énormément de sensibilisation en allant rencontrer les gens, en leur expliquant pourquoi aller vers des anciennes variétés, même si c'est pas l'ancienne variété en soi qui est importante, c'est plus la sélection au niveau de l'agriculteur, les choix qu'il va faire en fonction de ses terrains, du climat qui est lié à sa ferme, de ses pratiques culturelles, etc. On a voulu permettre aux gens d'avoir un peu de discernement et de pouvoir se rendre compte de ce qu'ils mangeaient. À partir des variétés très différentes, à partir de pratiques très différentes, tout le monde arrive à sortir un bon pain au levain sortant de son four. C'est juste l'homme qui est important dans la façon de se lier à son sol et comment optimiser par ses connaissances le sol dans lequel il va mettre sa semence, comment il va la choisir, mais comment aussi jusqu'au fournil il va influencer l'évolution de son levain naturel qui sera aussi issu de tous les micro-organismes qui sont là. Et cette recherche qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est à la fois aider à réunir des éléments pour rediversifier, mais aussi témoigner de ce qui se passe dans les fermes, dans les fournils et chez les paysans. Pour moi, l'idéal, c'est de faire le mélange le plus vaste possible. Il n'y a aucune intervention entre le semis et la récolte. La biodiversité est fonte de vie. Cioè, dove c'è biodiversité, c'è vita. Dove non c'è biodiversité, arrive la morte, questo è sicuro. Poi l'agricoltore particolarmente voluto è quello che arriva a seminare lui le infestanti che non gli danno fastidio sul suo grano. Ho visto anche questo, ci sono agricoltori bravi che lo fanno e quindi impediscono agli altri infestanti di prendere sopravvento. La planète è diversifiée, les environnements sont diversifiés. On commence aujourd'hui à s'apercevoir qu'on a besoin de micro-organismes pour qu'une plante fonctionne, qu'on a besoin de diversité de plantes pour avoir des insectes. Il campo è bellissimo perché è composto da tante spighe di colori, forme, altezze completamente diverse, ci sono quelle più rosse, quelle più bianche, quelle con le reste, quelle senza, quelle con i chicchi più stretti, quelle invece con i chicchi più larghi, più piccole, più grandi. Per me questa della popolazione è anche proprio un po' un simbolo anche della nostra società, di quella che dovrebbe essere almeno la nostra società. Avere sempre davanti due obiettivi. Uno è quello di preservare il suolo, il terreno e di conseguenza l'ambiente e tutto quello che ci gira intorno, dall'acqua in poi. E due, stare attenti alla nostra salute. È dalla diversità che sta insieme, che collabora, che si ottiene qualcosa di buono, no? Perché qui c'è un apporto di tante varietà diverse, ognuna con le sue caratteristiche. Notre objectif, c'est de comprendre comment on peut maximiser cette diversité pour être sûr d'avoir tous les éléments qui renforcent cette synergie de cette complémentarité entre les êtres vivants. On a trouvé notre petite brèche au niveau de l'Europe et c'est à partir de là qu'on a pu réémerger, disons, faire émerger ce concept de recherche participative, multi-acteurs, de diversité, enfin, tout, on reprend tous nos mots aujourd'hui pour mieux les déformer. Di
diventa veramente secondario fare economia, crescere, sì, perché sennò poi il progetto non regge, non hai le energie per accogliere, per mettere la gente a suo agio, per mandare avanti la famiglia. Però la cosa importante, quella veramente importante, è che, insomma, che ci sia sempre vita, e non è scontato, purtroppo. Nell'etichetta ho, diciamo, voluto mettere un segno di riconoscimento del progetto, cercando anche nell'etichetta di raccontare un po' quello che è una farina ad alto contenuto, non solo nutrizionale, ma anche etico, filosofico, quello che volete, insomma. Mon avis, c'est comment des petites équipes, comment des... localement s'organise pour que celui qui a fait des observations puisse les passer à un autre pour se recréer cette connaissance oui, collective. Si va dalla riappropriazione del seme allo svincolarsi dalla necessità di comprare prodotti di sintesi, perché queste popolazioni evolutive se la cavano da solo nei confronti delle infestanti malattie di insetti. Ci si deve preoccupare di meno di queste oscillazioni delle produzioni. Il tutto si può trasformare in prodotti che vendono molto bene. In alcuni forni il pane va prenotato e alla fine la caduta all'ultimo passo, che è la salute delle persone. Partout sur la planète, où il y a quand même des mouvements paysans puissants, il y a plein de gens qui se lancent en agriculture, il y a des gens qui veulent manger une autre alimentation. Vengo da tutt'altro percorso, perché sono laureata in scienze politiche, ho lavorato per alcuni anni nella cooperazione. En fait, la plupart des agriculteurs avec qui nous travaillons, ce sont des néo-ruraux, c'est ce qu'on appelle des gens qui n'ont pas d'antécédents agricoles, la plupart d'entre eux. Ils sont beaucoup plus libres dans leur façon de faire que des agriculteurs qui sont de père en fils sur la même ferme où il y a des interdits, c'est toujours la même chose. C'est pas facile de changer, il y a quand même une observation des voisins et il faut avoir très fort caractère. Faire voir ce qui se passe en Italie, en France, en Espagne, en Irlande, de ce qui se fait de mieux et de plus enthousiaste entre cette renaissance d'une agriculture qui donne du bon pain. La gente ha in mente questo concetto dei grani antichi, che è una roba vecchia, che è una roba antica, recuperata dall'antichità, e che si vuol tornare al passato. No, non si vuol tornare al passato, si vuole andare avanti, per cui per quello che è evolutiva, che evolve.